Dans la cuve de mon robot, je mélange l'œuf, le sucre et le beurre. Puis j'ajoute la farine. Je place la pâte obtenue et filmée au réfrigérateur pendant une heure. Pour la crème d'amande, je mélange dans un saladier le sucre, la poudre d'amande, auquel je rajoute l'œuf, bien pommade. J'ajoute le beurre bien pommade. Et je termine par un œuf entier. Sur un plan de travail fariné, j'étale ma pâte. Je prends mon moule beurré fariné et j'y étale par-dessus ma pâte. Sur ce fond de tarte, je viens rajouter ma crème d'amande. Et je n'ai plus qu'à enfourner cette tarte pour environ 20 minutes à 180 degrés. Je m'occupe ensuite des fruits. Je les ouvre en deux, puis je les détaille en quartier ou pas. Je retire le noyau. Je mets tous mes fruits dans une casserole, puis je saupoudre d'un peu de sucre. Je couvre d'eau et je porte à frémissement pendant une minute environ. Au bout d'une minute de frémissement, je retire mes fruits. Puis, dans le sirop qu'il reste, je rajoute du sucre et je fais réduire jusqu'à ce que ce sirop épaississe. J'ai démoulé ma tarte sur mon plat de présentation et je viens disposer mes fruits harmonieusement. Je lustre mes fruits avec le sirop